faire visite ici en Botoşan et ce concert vendredi soir. Ben alors c'est un peu particulier, c'est vrai que je suis heureux de venir ici parce que je sais que en Roumanie, je sais que j'ai les gens m'aiment beaucoup. Donc c'est toujours très impressionnant pour moi de venir dans une ville et cette belle ville de Botoşani, donc je suis très heureux. En plus j'aurai l'orchestre philharmonique avec moi, une série des musiciens, donc ça va être très agréable, je pense. J'espère, je suis touché de savoir que je peux venir ici en Roumanie et qu'un public aime ma musique. Centre historique vous semble intéressant? Ah oui, c'est très très beau, c'est très très beau, c'est pour ça que je tenais à venir voir un petit peu ce qui se passait et puis je crois que ça va être très agréable avec le son, les éclairages, les écrans, je pense que ça va être très bien. C'est très beau, il y a un passé qui parle. Comment trouvez-vous Botoşani? Comment trouvez-vous Botoşani? Non, c'est très, très charmant, c'est très beau. Ça me paraît un petit peu historique. Donc je vais continuer à regarder un petit peu comment c'est très bien. Oui, alors bien sûr, mon répertoire sera constitué de mes morceaux originaux, comme Un comme amour, Balade pour Adeline, Mariage d'amour, et puis des thèmes de musique de film, des reprises. Donc j'espère que c'est un répertoire qui plaira au public. Voilà. J'alternerai mes morceaux originaux avec des morceaux très connus, des très belles mélodies. Je crois que c'est tout entre mon organisation qui s'occupe de moi et puis les gens ici qui tenaient vraiment à ce que je vienne faire ce concert. Donc je crois que c'était un bon travail d'équipe. Et puis, c'est un travail qui se fait naturellement entre mon management et puis la ville ici qui souhaitait que je vienne pour cette soirée. Very me and other thousands of people. Oh, they are They are selling places on the balcony here. Emoționantă, vorbim de un titan al muzicii internaționale și sunt bucuros că putem oferi gratuit botoșenilor un astfel de spectacol. De o anvergură impresionantă, într-un cadru pe care vrem să-l revitalizăm. Așa cum am spus în nenumărate rânduri, îmi doresc să dăm centrul istoric botoșenilor și iată, organizăm un concert grandios pentru botoșeneni în centrul istoric, cu intrare gratuită, în limita posibilităților, bineînțeles, cu chestiuni care țin de organizare. De unde e ideea de a-l aduce pe Marele Flyderman la Botoșani? De la an la an ne-am dorit ca acest eveniment să crească și încă de anul trecut am discutat despre artiști internaționali, au fost mai multe nume pe care le-am avut în vedere. Iată că s-a materializat cu Richard Clyderman, un artist care nu mai are nevoie de nicio prezentare și care a fost pe placul botoșenilor. Și bineînțeles că pregătim pentru celelalte ediții artiști cel puțin la fel de prestigioși.